Bonjour. Non, je devais reprendre une partie. Mais j'ai eu un problème. Elle n'est plus là. Parce que j'ai voulu jouer en multi avec ma coloc. Et du coup, j'ai pris tous mes fichiers de sauvegarde, j'ai fait une copie. On a lancé une nouvelle partie, puis après j'ai remis les anciens fichiers de sauvegarde. Histoire que je perde pas la run continue. Sauf que cette méthode ne marche plus. Sur Repentance. Ce qui est logique parce que ça permettait de tricher en même temps. De genre, avant un boss, tu fais une sauvegarde de ta partie et comme ça t'as une sauvegarde en fait. Donc c'est un peu de la triche. Mais du coup, j'ai pas fait Maggie en me disant qu'il fallait continuer Maggie. J'ai fait Eve et j'ai pas fait The Beast avec Eve. Voilà. J'ai pas fait The Beast mais j'ai débloqué Tate and Eve. Donc du coup, on va faire Maggie. On va continuer Maggie. Il fait chaud. C'est bien, mais bon. Si j'avais Lilith, ce serait très bien, quoi. Bon, on va regarder l'objet. Parce que ça, en vrai, c'est bien. C'est un très bon trinket qui peut devenir très fort. Genre, ta Little Brimstone, c'est surpuissant. Money equal power. Ouais, mais bon. Ça c'est très fort aussi, mais en début de game, là ça fait un début de game très longue, qui va être bien hypothétiquement. Donc c'est pas ça que je veux, moi je veux une début de game où tout va bien. Je sais pas pourquoi je dis une début d'ailleurs. Ça par exemple c'est très bien. Alors j'ai décidé d'être nul. Oui, j'ai réussi. Je savais pas si c'était possible. Et c'est possible. Donc j'ai pas perdu sur mon cœur noir. Bon, il faudrait que j'évite de me faire toucher dans le cœur, de me faire toucher tout simplement. Parce que du coup, je n'ai pas pu attendre le prochain étage. Putain, je suis vraiment trop con. Je me suis dit, c'est bon, j'ai le temps de passer entre les deux, mais non. Et je suis une grosse merde. Cet ennemi là je le hais hein. Que ça soit clairement dit, je les déteste. Beaucoup d'ennemis que je déteste. Les ennemis bien c'est les petits caca. Eux ils sont bien eux. Enfin ça dépend. Les deux étaient bien. Ils se sont pas mis à l'envers. Enfin qu'est-ce que je raconte. J'ai dit à l'envers parce qu'il y avait une carte, elle était à l'envers. Mais ça n'a aucun sens dans ce que je voulais dire. Ils se sont pas séparés de leur corps. Il n'y a pas que leur tête qui a éclaté, quoi. Alors. Ah, c'est un XL. Ça, c'est très fort. J'ai pas de familier, mais c'est très fort. Ah bah, parfait. Que ça. Ah non, c'est que quand ils sont entre eux. Mais ça va être très fort avec ma BFF. J'ai très envie d'avoir BFF, mais j'aurai pas l'argent. Parce que. Puis même, il y a la carte, la batterie, c'est très bien aussi, mais j'ai pas les objets qu'il faut, quoi. J'ai pas d'objets assez intéressants. Mais BFF, là, ça. Avec. Ce fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai jamais appuyé sur le bouton. Pourquoi tu lances n'importe le truc social club ou je sais pas quoi là? Comment on quitte? B. Putain, et ça lance direct le jeu quoi. Quel enfer. Je savais que j'avais pas besoin d'utiliser. Mais du coup, ouais, BFF. Ça permettrait. Parce que là, cette mouche-là, elle bouge beaucoup. Donc si tous mes familiers sont reliés par un fil électrique, ça fera un fil électrique qui se déplace beaucoup dans la salle. Et qui donc est vraiment bien. Malin. Ok. Vite, vite, vite. Ah bah en fait non, pas besoin d'aller vite. J'avais oublié ce détail. J'ai ma mouche. Ah mais on la voit, elle est quand même un peu reliée à moi.
Alors. Hop. Super. Toi, j'espère que tu me donnes de l'argent. Hein. Bon, ils donnent tout le temps de l'argent. Avant c'était pas tout le temps. Ça, c'était chiant. Non, la pièce. Parce que BFF, je pense que ça compte avec le... Oh putain de merde. Avec... ça compte dans le fil. Putain, si j'ai un truc... Temperance sur un truc comme ça. Être bien. Mais après, il va falloir aller faire le boss, hein, quand même. Il serait temps. Il y avait un chemin en bas que j'ai pas fait. C'est lui que j'ai pas fait. Là, c'est un... Si, je l'ai fait. J'aurais bien volé aussi parce qu'il y a beaucoup de... Ça, j'y suis allé dès le début. Ok, j'ai commencé là. Ça, c'est une luck-up, je suis pas fou. Attends, je vais regarder ça tout de suite. J'ai l'impression que c'est un peu vert. Oui, c'est plus vert que les autres. Là, c'est clairement une luck-up, donc je la prends. Voilà. Bon, j'avais... En fait, non, j'avais tout fait. Là, en bas, je viens d'aller voir. Je suis allé à... À gauche, j'y suis allé par là. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'ai 0% de Devil Deal. Ah, mais non, j'ai eu qu'un objet. Pourquoi j'ai cru que j'avais deux objets? Ah, parce que, ouais, en fait, je suis habitué à avoir l'objet. C'est pas du tout une XL. C'est que je suis habitué à avoir l'objet directement. Parce que je fais des resets. Mais là, comme je l'ai eu après, je m'attends, j'ai cru que c'était une deuxième salle d'objets. Et que donc, j'ai eu deux objets. Mais non. Mais j'aimerais beaucoup une Temperance, hein, vraiment. Petite machine de don du sang. Je vais essayer de trouver le... Si j'ai des bons, je vais essayer de trouver la... La Secret Room. Voilà, une Temperance là, parce que vous avez vu tout l'argent que j'ai. Enfin, tous les cœurs que j'ai, pas l'argent. Ah, pardon toi. Allez, salut. Tears Up, très bien. C'est un très bon objet. J'ai pas eu de bombe. Et je n'ai pas assez d'argent et rien ne va. Tant pis, hein. On dit adieu à nos rêves, hein. Ça, je ne peux pas. J'essaye de racler jusqu'au dernier truc. Je crois qu'il y a des feux que j'ai pas éteints. Là, je peux rien faire. Je peux m'acheter une bombe. Ça pouvait être à gauche. Ça peut être en haut. Je pense elle est à gauche là. Parce que c'est tout entouré. Et j'ai dû éteindre tous les feux, ouais. Bon, je vais acheter la bombe et en espérant avoir une Temperance. Enfin, avoir une machine de don du sang. Il y a une chance sur 100 qu'il y en ait une dans la... Il y a une chance sur 100 seulement qu'il y en ait une à peu près. Une milliard de trucs qu'il y a, mais bon. Enfin, c'était même pas là, quoi. Bon, au moins ça c'est une Temperance, donc ça va. Mais non, de toute façon, ça me sert pas. Strength, je vais pas les garder. Parce que j'ai 4 coeurs à dépenser, donc... J'aurais pas de quoi arnaquer un Devil Deal. Il me faudra la craquer, donc j'ai pas besoin d'objets pour The Beast. Donc je me casse, en fait, c'est tout. Allez. Un peu déçu, hein. Il aurait pu avoir des trucs beaucoup plus fous. Mais non. Enfin, encore Burning, quoi. Non, je vais pas la direct. Doudou. Bon là un petit brimstone, là ça fait longtemps brimstone. Hop hop hop. Ok non c'est de la merde, ça on s'en fout, de la merde. Fonce, fonce. Allez. Bon par contre... Tout va bien. J'ai cru quelques ondes, c'était foutu. Bon,
Bon, il est où celui qui saute partout là? Ah, ils sont deux. Ok. J'ai plein de clés donc tout va bien. Little Monstro. Bon, bah c'est le deuxième familier donc. Comme ça voilà, au moins il y a des. Il y a des. Il y a de l'électricité. Au moins. Little Monstro c'est bien quand même. Hein. C'est bien en plus parce que ça peut passer au-dessus des, au-dessus des trucs. Parce qu'il y a du tir height. Et ça tire vachement loin. Enfin bref, il y a clairement pire familier. Il y a meilleur aussi, hein, faut pas déconner. Mais... Je fais même plus attention à mes tirs, je suis juste concentré sur Monstro. J'ai pas d'argent donc ça vaut pas le coup de dépenser une clé maintenant. On verra plus tard en fin de niveau. Quel connard. J'étais vraiment à fond sur Monstro. Je me suis dit il va jamais sauter jusqu'à moi. Eh bien si. J'ai mérité hein, de me prendre ce coup. J'ai joué comme une grosse merde. Putain, il rebondit comment là? Mais du coup, je ne peux pas me faire toucher. Ouais, bon, ça c'est pas trop grave. Je ne peux tout simplement pas me faire toucher. Bah, let's go, hein. Ça commence bien. J'aimerais bien le tuer lui, voilà, merci. Ok, ça va. Tout s'est bien passé. Il y a juste lui qui va me faire chier, voilà. Toujours plus de cœur, bah allez hein. Allez, let's go. Dommage que ce soit nul hein. Est-ce que ça vaut le coup de prendre Brother Brobby? Non, ah mais attends, ça aussi. Mais les deux c'est des familles en fait. J'aurais trois cœurs, ça. Allez, allez, let's go. Hein. Voilà la ribambelle de familier. Allez. Merde, je voulais pas du tout faire ça. Bon, j'ai perdu une clé. Parce que non, j'ai pas envie d'aller là. Hors de question que j'aille là. On va faire la curse. L'objectif c'est The Beast. Là vraiment le seul truc qui me permet de jouer c'est le fait que j'ai beaucoup de défense. Là le but du jeu c'est jouer familier, ça n'a aucun sens comme but de jeu. Enfin ça n'a aucun sens en tout cas quand on est Magdalene. Ok, yes. C'est très gentil à toi de me proposer une TP Devil Deal. Bon, cassons-nous. Hein. J'ai pas des cœurs partout non plus, donc j'ai pas essayé de chercher. Même si elle est très certainement... Ah, elle peut être là. Elle peut être à... Je vois deux endroits où elle peut être là. Bon, allez, on tente. On tente. Yes. Je pense qu'elle est en bas. Voilà. Chut. Je sais même pas pourquoi je l'ai tenté. Hein. Il y avait sans doute rien d'intéressant dedans. Bon, cassons-nous. Du coup, là, dernier stream en semaine du mois de juillet, sans doute. Parce qu'après tout le mois de juillet, je travaille. Donc peut-être, alors il y aura des streams le week-end je pense, mais en semaine ça sera sans doute le dernier stream. Hein. Avant du coup, avant août. Donc ça fera peut-être, ça fera beaucoup moins de streams, que ça soit clair. Bon allez on utilise. On allait se faire un petit boss là, un petit mini-boss.
Ça va, ça va être. Je sais plus ton nom là. Ça va être Bomberman là. Ah non, Sprite. Merci. Putain, il est mini l'autre, quel enfer. Cassez-moi, il est déjà mort. Ça valait le coup. Ça, ça vaut le coup aussi. Pour 2,5%, ça valait pas tant le coup que ça. Hop là. De tam 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 là. C'est nul ça. Je le touche pour dire oui, je l'ai touché. Bah c'est mieux, remarque, que ce que j'ai. Entre 2 et 8 araignées, là ça m'a fait spawner quasiment 8 d'un coup, quoi, du premier coup. Je suis content. Vraiment on est fort. Hein. Pour là, enfin, après on est au troisième étage. Mais là les salles on les clear vite, quoi. Donc ça va. Il y a clairement pire début. En général, quand il y a pire début, on le joue pas. On le reset. Très bien. On n'a pas encore été touché, donc let's go. Hein. Finalement, j'aurais pas dû le prendre. Parce que je viens. Ok. Je viens de voir qu'il y avait la salle secrète. Je suis vraiment un gros con. J'aime pas celui-là, il fonce trop vite sans faire remarquer. Plus un bon heart, bah allez, on s'en fout, mais allez. Alors on se promène, on continue, on n'a pas de clear. Ta-da. Mais j'ai combien là de trucs qui spawn? J'ai eu un cœur bleu dans les cacas là, j'ai des pièces dans tous les cacas. C'est fort, Guppy's Eye, je sais plus si c'était en stream, mais Guppy's Eye, on peut voir les flammes où il y a des trucs dedans, quoi. C'est vraiment très fort, Guppy's Eye. Ah putain, il y a un truc devant moi. Je me demandais pourquoi je n'avançais pas alors que j'étais en train de bourrer le bouton. Et je viens de. Je sais pas ce que je me suis pris, mais je l'ai mérité. Hop. On a 13 balles, donc c'est bien, mais pas top. Que je trouve, j'ai même pas cherché un trinket là. Bon, allez, on y va. Bah, ça valait le coup. Il me faut un trinket, du coup, je disais. Pour le laisser dans une salle comme ça, en plus, j'aurais deux craquets. Non, je suis vraiment trop con. Allons ramasser un cœur rouge avant d'y aller. Putain, j'utilise plus ça. Hein. C'est quand même des araignées, les araignées, c'est toujours bien. Des zéro trinket hein, dans cet étage. Au pire, j'ai eu une craquette, donc ça va. J'ai juste à pas utiliser de truc, mais c'est un peu chiant quoi. Je peux aller voir le Devil Deal, mais j'irai après ça. Ouais, non, bah, si c'est que ça, on s'en fout. Hein. On va pas se faire chier pour un coffre. J'ai 20 pièces, donc je peux aller au magasin maintenant. Ça vaut le coup. Je peux acheter ça et toujours être rentable. Ah, Joker. Ça va pas me servir, bon. Ça c'est bien en vrai. C'est du dégâts up, hein. De toute façon c'est toujours bien le dégâts up. Bon, j'ai pas de vie hein, du coup. Hein. J'ai encore 3 étages pour me faire de la vie, donc ça va. Mais là, dégâts, je suis à 6, c'est pas tant que ça. J'ai un bon tir rate, par contre, ça va, hein, 3-23, c'est bien. J'ai des familiers en plus qui font du dégât à ma place, mais le problème c'est que j'ai pas de vie. Et non, là, la secrète est pas. La,
La super secrète, elle est là, je pense. Alors, ce qui est bien avec la craque. Ouh, bah c'est très bien ça. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est très bien, dis donc, un étage comme ça. Est-ce qu'on le fait, lui? Non, maintenant, on s'en fout. Et la craque, qu'est-ce qui est très bien? C'est qu'on peut voir là. Les salles, où est-ce qu'il peut y avoir une salle rouge? Donc, ça veut dire que la secrète, elle peut pas être là. Et ici, il n'y en avait pas, donc c'est pour ça que j'ai su que s'il n'y avait pas de salle possible derrière, c'est qu'il y avait la super secrète qui était derrière. On y retourne. C'était quoi l'autre? Je sais plus. Je sais que j'ai ignoré. Oui, c'est nul. Attends, j'ai quand même pris Brother Bobby, quoi. Let's go, hein. Bon, ça va pour l'instant. Ce qui compte, c'est qu'on débloque Maggie. C'est ça le plus important. Attends, on voit que dalle, hein. Ça m'a fait beaucoup rire qu'il saute lui-même dans la flamme. Ici, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de secret ou super secret. On va évidemment aller voir la curse. Ça vaut toujours le coup. Je pense qu'avant la curse, à chaque fois, je vais faire ça. Non, ça aussi, je laisse. Pour éviter de me faire avoir et de me prendre double dégâts en allant chercher des trucs. Ok. Ça valait bien le coup. Putain, je me suis fait toucher parce que je l'ai tué plus vite que ce que je croyais. Oula, je l'avais pas vu lui. Ta-da-da, pam-pam-pam-pam. Mais stop! Comment ça se fait qu'il m'ait touché lui? Depuis quand je suis nul à ce point? C'est pas normal en fait. Hop, 5 balles. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici là? Bon bah, c'est un familier, hein. En vrai, ça protège en plus. Donc entre ça et la mouche, si je me prends une larme, c'est pas normal. Hop, dis donc, t'es pas très bien caché, toi. J'ai pas regardé salle rouge, salle rouge, salle rouge. Donc là, il peut pas y avoir de secret, de super secret, quoi que ce soit. Ici, y a rien en haut. Ah, il peut pas y en avoir, je pense, parce que voilà, c'est comme les secrets en haut, c'est une petite salle. Là, il y en a une. Ok, y a rien ici. Ici, on s'en fout. Ici, bah oui, on s'en fout aussi, hein. Ok. Hey, let's go. Oula, dis donc, motivé là, avec leur saut là de cabri. Ok. Ok, là il y a deux salles. J'ai 23 balles, donc on y va. Hein. C'est quoi ça? Je sais plus. Carte reading. Ça, je crois que je l'ai jamais pris. Boss Room, Treasure Room et Secret Room. En vrai, ouais. Hein. Si je l'ai jamais pris en plus, ça vaut le coup. Allez, let's go. Continue. Toujours pas eu de trinket. Donc ça veut dire que la craquelle, je vais pas pouvoir l'utiliser. Ah, oh, j'avais pas vu lui. Oh, dis donc. C'est bien ça. On va aller la poser dans la boss room. Oula. Bon, je vais faire le boss maintenant. Parce que de toute façon, j'ai 100% dans tous les cas.
Voilà, merci. Heads up et damage up, très bien, c'est très bien. On charge avant. Ah, on va lâcher notre truc ici. Voilà. Comme ça, si jamais il y a un truc bien. Voilà. Enfin, quel gros con. Pour l'éviter, j'ai sauté dans là-dedans, alors que dans tous les cas, c'était quasiment sûr que ça ne me touche pas. J'oublie que je peux tirer en diagonale avec, avec le truc. Ça, c'est bien, l'Hump of Coal. Enfin, c'est pas top, mais bon, ça passe, quoi. Bah, ça, on peut la reprendre. Je pense qu'on va à la IRA et on va essayer de trouver à cet étage. Déjà ici, à la secret. Je l'ai dit avec un peu trop de confiance. Mais comment ça se fait? C'est peut-être... Pardon, c'est peut-être parce que je l'ai prise, là. Mais pour comment ça se fait qu'on voit pas? Ou alors non, c'est qu'on ne peut pas. Ah d'accord, ok. Il faut quand même qu'on puisse y aller. Non, on peut pas en haut, donc non. Ok, d'accord. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, alors beaucoup trouver la Red Secret Room. Que ça, ça c'est fort. Ok, merci. Et pour l'instant, les clés, on s'en fout. Voilà. Tout va bien. J'ai de nouveau 15 balles. Alors la Red Super Secret, ça pourrait être à partir de là, aussi, je l'imagine bien, juste en haut là. Ça peut être à partir de trop d'endroits, quoi. La Secret Room, elle est au-dessus. Ouf. Ou des sous. Ou des sous. Ça, c'est bien pour les prochains étages. Je pense qu'elle est là, la Red. On va dire qu'elle est là. En vrai, j'en ai pas la moindre idée, mais on va dire qu'elle est là. Donc, on va lire notre cracked key. Enfin, y a rien, y a rien ici. Ah, par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Non, c'est ça. Je reste appuyé sur le mauvais bouton en boucle. Heureusement qu'il aurait pu se passer quelque chose de dramatique. Ça en ira, voilà. Ah merde, ça ira pas ça. Zut. J'aurais pu me faire deux red keys. Mais tant pis. Celle-là, on l'utilise. Et j'ai envie de dire. Merde, qu'elle est proche de l'autre secret. C'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie d'y croire. Ah du coup j'ai accès là en plus, donc ça valait le coup. Pour un tears up, oui ça valait le coup. Non parce que ma première partie red key, j'ai trouvé toutes les secrets de tous les étages quasiment. Putain je suis vraiment trop nul. Toutes les red secrets et dedans il y avait des objets fous. Genre un des premiers objets que j'ai eu dedans c'était Secret Art. Ce qui est quand même très fort, on va pas se mentir. Ok, donc là il peut y en avoir une. Ah mais je peux pas voir puisque je n'en ai pas. Donc on va chercher l'autre et on retente. C'est vraiment la famille quoi. Oui ça va, il me restera deux étages pour vraiment me mettre full life. Parce que là c'est ce que j'avais dit.
Non, c'est une salle normale, fais chier. Une salle normale où je peux même pas accéder au contenu de la salle, quoi. Eh bien, c'est très décevant. Après, j'ai eu un tir zap, donc ça valait le coup. Allez, on y va. Je le cherchais partout. Ça va? Qu'est-ce que tu cherchais partout? Ah, c'est parce que j'étais pas là depuis. Bah oui, mon dernier stream, c'était quand? C'était mercredi dernier. Effectivement, je n'avais pas pu. Ça, mais j'avais pas pu stream ce week-end. Donc ça fait moins d'une semaine. C'était prévu que jeudi et vendredi, je ne streamerai pas parce que je travaillais. Ce week-end, j'ai pas pu. Voilà. Donc on reprend là. On retourne voir ici, mais il n'y avait rien. Et. Étage suivant. Alors ça va? Ça va, Zaiko? Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Hop. J'ai oublié les codes couleurs. Ça c'est item room et ça c'est secret room. Donc on va aller à la secret room parce qu'on a plus de clés que de bombes. Hop. Ah ça j'ai pas vu. Je sais pas quand tu l'as mis, parce que tellement désespéré. Putain, fais chier pour ça quoi. Parce que j'ai une notification quand il y a des commentaires, mais je suis pas allé sur YouTube. Oula. Depuis quelques jours là. Bah c'était très décevant, je me suis juste pris un coup pour rien quoi. J'irai voir, oui, t'inquiète. J'irai voir ça quand je couperai cette VOD. Il est quelle heure là? Il doit être à peine 17h là. Si, il est toujours 17h. J'arrêterai vers 18h15. On n'a pas assez. J'ai pas assez de. Ah si, j'en ai 4 maintenant. Non, mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'aller casser ça. J'ai abus. De quoi? De quoi que j'avais lancé le stream? Mais oui, bah t'inquiète pas. Mais ah oui, c'est vrai que lui il fonce. Je me disais, j'ai pas de risque. Non, il est. Oui, j'ai dû commencer vers 16h15. Bah, je vais. Ah non, 36 minutes, donc même plus tard. Mais voilà, vers 18h20 à peu près, faut que j'arrête. Allez. Je vous éclate en fait. C'est pas un double étage, ouais. Ça c'est nul ça. Ah si, maintenant il y a la Holy Light dedans. C'est vrai que maintenant tous les items vraiment pourris avant ont été un peu augmentés. Et tous les trucs vraiment bien ont été diminués. Hop, 4 mains, toujours plus. Motivé maman. Hop, voilà. La fête? Pourquoi la fête? Parce que le truc est bien? Tac tac tac, je suis à 1 donc je peux y aller. Ah, au fait, ok. Alors attends, je lis juste après le message qui est entre les deux, j'en ai encore une fois loupé un. Mais je termine Monstre 2. T'as vu comment j'écris? Non, au fait. Comment t'écris? Qu'est-ce qu'il y a de comment? Au fait, le lien du Discord. Effectivement, je n'ai toujours pas le lien du Discord. Parce que je n'y pense jamais. Oh, Léviathan. Oh, tout va bien. Le monde est beau. Parce que. Bah là, ouais, désolé, là c'est du troll. Mais je n'y pense jamais au lien du Discord. J'utilise tellement peu Discord, à part. Enfin, pas en tant que réseau, je veux dire. Parce qu'effectivement, il y a. En tant que réseau, plein de gens s'en servent comme ça, mais moi non, jamais. Double bombe, on va le prendre. Parce que de toute façon, j'ai trop d'argent. Discord, vraiment, je m'en sers que pour parler avec des gens, quoi. Two of Heart. On s'en fout, c'est de la merde. Alors, il me semble que. Où est-ce que ça donne des cœurs différents? Ah non, c'est.
C'est pas celle-là qui tape. Tu peux être le truc sur un stream, genre quand on met une émote, on le voit sur un écran en train de voler. Si, je vois. J'avais voulu le faire et j'ai toujours pas fait, mais oui. Genre quand il y a des spams d'émotes, touk touk touk, il y aura des trucs qui apparaissent. Ça, oui, j'ai envie de faire ça. De toute façon, faut que j'améliore un peu mes scènes. Là, j'ai juste fait le truc du truc qui tourne là. De la tête horrible qui tourne, qui fait peur. Mais je veux changer pas mal de trucs sur la DA du stream. Rajouter des sons et tout que je peux activer. Et je vais essayer de faire. Ce sera en août que je vais faire ça parce qu'en août je serai en vacances. Donc en août je pourrais faire tout ça. Là au mois de juillet du coup t'étais pas là. C'est gentil. Ouais non c'est. Oui, heureusement que tu t'es censuré. Je pourrais t'envoyer des liens. Oui, j'avoue, c'est pratique parce que quand tu veux m'envoyer des trucs au maire. Mais hop. D'ailleurs, j'ai toujours pas répondu parce qu'on a un truc avec NextG là. Faut que je réponde. Ah oui, je me prends pas de dégâts quand j'entre à l'allée. C'est trop bien quand même. Allez, on tente ça. On les tente. On est là pour ça. Bon, on s'en fout, on l'utilise parce que c'est de la merde. Bon, on se casse. Hein. J'ai plus rien à faire ici. Je t'attendais tout l'après-midi. Toujours plus. Bah, du coup, je suis désolé. Parce qu'en juillet, je travaille tous les jours. De 8h à. De 8h40 à 18h40. Donc, je ne vais pas stream en semaine pendant tout le mois de juillet. Mais en le week-end, c'est bon. Mais pas en semaine, voilà. Je suis vraiment navré. Horaire de boulot, c'est ça. On va à la secrète. Hein. La secrète, c'est plus chiant à trouver, donc go secrète. Putain, toujours plus de thunes, quoi. Après, remarque, j'en avais plus beaucoup. J'avais même pas fait gaffe à ça. Par contre, j'ai pas le fait de pas avoir spectral, c'est un peu chiant. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Je t'ai pas loupé, toi. Il sort la tête, il meurt instant, quoi. À cause de mes milliards de familiers. Voilà. J'ai rien à faire. Oui, c'est gentil. Hop. Daddy's long leg. Et il me reste plus qu'un objet Spider Baby. Non, ça, on s'en fout. Non, si j'ai la feuille, je peux arnaquer The Beast comme ça. Vraiment, je peux battre The Beast avec Daddy's long leg. C'est pas trop bien. Je viens de vendre des plantes. Ah oui, tu joues à Stardew en même temps? Ah, d'aquarium. Ah non, d'accord. Je ne crois pas qu'on puisse faire pousser ça. Bah bravo à toi. Est-ce que c'est rentable de faire un élevage de plantes d'aquarium pour les revendre après? Parce que ça coûte cher les trucs d'aquarium en général. Oui. Bon bah je sais quoi faire de ma vie, c'est réglé. Sans rentable. C'est réglé, c'est tout. Merci, merci tout. Mon avenir est fait. Je n'avais pas encore d'idée, maintenant j'ai. Ah putain, j'ai réussi à me prendre une larme avec toutes les défenses que j'ai quoi. Friend till the end. Ok. Mais tu peux pas en vivre. Ah mince. Bah ça dépend. Si tu as un très 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 grand élevage. Ça me va, ça me va. Non, ça me va pas en fait. Je voulais un truc bien, vous m'avez passé ça. Putain. Si tu as vraiment un très très grand élevage, c'est bon alors. Techniquement. Où est-ce qu'il est le crâne avec la croix là?
J'ai toujours pas croisé, je crois, parce qu'il se remarque vraiment très facilement, donc. Ah, c'est bien ça. On va pouvoir aller gratuitement là-bas. Comment ça, c'est pas ouvert? T'es trop rapide entre les portes. Bah en fait, en putain de merde, voilà. J'ai su que c'était baisé. Je touche même pas les... J'ai même pas besoin de toucher les ennemis, mes familles s'en chargent direct, quoi. Merci. Bah allez, on va se prendre 5 balles en plus. Ça c'est quoi? Every time you kill an enemy, a blue fly. Up to 20 fly. 20 fly. Non, non, on s'en fout, c'est de la merde. Ça on s'en fout. Allez, on va dépenser tout notre argent là-dedans. Remarque. Oui, non, c'est bon, on a fini l'étage en fait. J'ai juste trouvé la carte de TP avant. Je préfère. Non, toujours pas. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Yes. Elle est là. Hop, the fool. Bon, on va jouer là du coup. Cette machine-là, elle a l'air mieux. Et non, je ne viens pas de Dijon. Je sais que tu essaies de tenter, hein. Tu essaies de trouver, mais... T'essaies de tenter. Tu tentes de trouver ou t'essaies de trouver, mais bref. Mais non. Raté. C'est quoi, là? Non, j'ai toujours rien eu. Bon, Pretty Fly, hein. Donnez-moi 3 Pretty Fly. Mais non, faut que j'arrête de te répondre. Parce que sinon tu vas... Ou alors juste une fois par stream. Parce que là tu vois, si tu continues, tu vas en dire plein. Et au bout d'un moment, forcément, t'auras bon, quoi. Donc là, tu sais pour Dijon. Je sais plus ce que t'avais demandé les autres jours. Bah, c'était assez décevant. Un capot de chêne. Ah, si tu veux, pour la prochaine fois, je fais ça. Genre, à 1k point de chaîne, je ferais que j'active ça. À 1k point de chaîne, je reçois une notif où je dois demander, où je dois dire une ville où je n'habite pas. Mais peu importe la taille, hein, ça peut être Dijon, comme ça peut être Cucugnan. C'est vraiment juste, je n'y habite pas et c'est tout. Bah allez, let's go. Putain, c'est celle qui fait spawner un milliard de trucs. Voilà, voilà. Allez, super, super. On a qu'à s'amuser. Elle est où? Elle est où cette mouche de merde là? Putain, ils sont en train de m'enlever toute ma vie. Pourquoi il fait... Mais d'habitude, il fait spawner des gros trucs quand même. Là, les mouches, c'est juste chiant. Enfin, les araignées. Putain, je suis trop nul en plus. Ça n'aide pas en plus, hein. Ça n'aide pas au fait de réussir le jeu, le fait d'être nul. Mais moi, je voulais pas ça. Peu importe ce qu'on prend, on va continuer à prendre le polar. More chest appear. Mais de toute façon, je peux. Si je peux. Si je peux. Ça m'enlève. Ok. Ça m'enlève mon. Bah, aujourd'hui, tu m'as demandé Dijon. Donc, ah non, mais là, t'essaies de tricher en me demandant d'autres villes. C'est pas ce qui est convenu. Ce n'est pas dans le contrat. On dégage, hein, du coup. Hein. Allez. Du coup, ça m'a enlevé mon... Non. Quoi, non? Tu m'avais demandé les autres villes? Je m'en souviens pas. Du coup, je sais pas, hein. D'accord, donc Toulouse, D'accord, donc Toulouse. Toulouse, c'est... Oui, Toulouse, je t'avais déjà dit. Maintenant, je m'en souviens. Donc, voilà, tu rajoutes Rennes dans le truc pour essayer de tricher. Dijon et Toulouse, c'est non. Du coup. Et là, tu t'es dit, oh, je vais tenter d'en rajouter une troisième, il va pas savoir. Ça, c'est pour aller au boss direct, donc non. Surtout pas. On va faire la secret. Tiens, bah super, super. Donc, une fois que je me serais pris 15 de dégâts, j'aurais un familier en plus. Et ça, c'est bien. Tom, putain, d'habitude ça ouvre ça quoi.
Ah oui, non, c'est la Red Secret qui m'avait ouvert ça la dernière fois. Parce que j'y habite. Ah oui, bah tu sais pas, peut-être qu'on est voisins. Hein. Donc Ren, elle n'a pas été éliminée. Pour 1000 points de chaîne, tu dépenses 1000 points de chaîne et... Enfin, d'ici le prochain live, si jamais j'ai setup le truc, et tu sauras si... Tu sauras pour celle-là. Ta-da-da. Putain, j'arrive pas. Voilà, merci. Ah putain, c'est le truc trop chiant là. Putain, toujours plus long quoi. Voilà, des araignées partout. Non, maintenant, je veux le truc maintenant. Tu veux quel truc? Ah oui, mais non, mais. Comment on fait pour setup ça? Bah attends, à la fin de la partie. Puisqu'il restera encore 3 quarts d'heure de stream à peu près, je pourrais essayer de le setup en live. Comme ça, tu l'auras aujourd'hui. Putain, quel abruti je suis. Je lui fonce dedans. Et alors que mon problème, là, c'est clairement la vie. Trop content. Bah oui, oui. Avec The Beast, ça, c'est très bien. J'ai 12 ans et toc, ça c'est faux. Ça je sais que c'est faux, même si tu fais beaucoup de blagues. Je sais que c'est faux parce que tu n'as pas le droit de venir regarder ce stream si tu as moins de 18 ans. Voilà. Ah mais il en reste un. Ah bah merci d'Addis Longleg. Hop, on va prendre ça. Ah c'est vrai. Oui c'est mis dans le truc, mais bon... Voilà, tu mets juste. Oui, c'est bon, j'ai moins de 18 ans et c'est réglé. Si mais je crois que comme t'as un compte Twitch, t'as dû renseigner ton âge, donc toi ça le te le demande pas. Mais sinon, ça le demande aux gens qui n'ont pas de compte Twitch. Ok, de la vie, très bien. Ouais, Loki's Horn, hein, clairement. Ouf. Ou Diplopia, c'est bien. C'est mieux que ce que j'ai, hein, clairement. Du coup, comme il n'y a pas de boss, je sais pas s'il y a un Devil Deal à cet étage-là. Ça, c'est chiant. J'aurais bien aimé un petit Devil Deal en plus. Maintenant que j'ai Diplopia, je ne sais pas parler. Bon, bah, à plus. Lock Base Tier. Qu'est-ce que c'est, ça? Je comprends pas ce que c'est. Mais on va la lâcher dans la salle d'objets pour avoir une cracked key offerte. Tu vas pas t'exhiber. Mais de quoi tu... Je suis un connard. J'ai pas compris de quoi tu parles. T'es parti dans un truc. Putain, j'ai utilisé Diplopia. Après ça se trouve j'aurais aucune occasion de l'utiliser, mais bon. C'est quand même chiant. Ah mais attends. Attends, là je tire normalement. Ah c'est quand même bien. Ça me fait quasiment tirer à chaque fois à 3 quoi. Pourquoi 18 ans? Ah oui ok d'accord c'est pour ça. Non c'est juste... J'ai mis de base genre grossièreté, tout ça. Comme ça j'ai pas besoin de me... Merde, il y a des petites merdes là qui pop. J'ai pas besoin de me filtrer, quoi, on va dire. Mais en soi, étant donné qu'il suffit de dire non, c'est bon, j'ai plus de 18 ans pour que tu puisses y aller. Je l'ai mis en me disant que de toute façon, ça allait pas changer grand chose. Bah non, il y a beaucoup de. Je connais beaucoup de streamers qui streament en plus de 18 ans pour éviter. Pour être sûr. Enfin, je connais. Quand je dis je connais, c'est pas je connais personnellement, c'est je. Je sais que des streamers font ça. Salut les gars. Da 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 da. Non mais c'est juste pour Wheels of Fortune, bah très bien. Enfin, parce que là j'ai trop d'argent en fait. Si Antoine Daniel j'étais au lycée avec avec lui, merde j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Michael Vendetta.
Je l'ai avec lui et Michael Vendetta au lycée. C'est faux, évidemment. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, il n'y a plus rien à faire en fait. Mais oui, je crois que. Je crois qu'Antoine Daniel met comme ça aussi. Mister MV, je sais qu'il met en plus de 18 ans. Bon, là, on prend The Sun. Hein. Ça nous donnera un étage. C'est faux également. Je suis pas crédible, c'est ça? Pas ce que je fais là. Depuis que j'ai fait le diplôme, je suis perdu. J'ai fait de la merde et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Bon allez, on y va. Non, il n'y a pas de. C'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas de. Il n'y a plus de double deal. C'est pas trop grave pour diplôme là. Diplopia. Merde. Allez, voilà, on fait ça. Ah putain, il y a des petites merdes, voilà. Je suis qu'il y a des trucs qui allaient arriver parce que. Lui il spawn pas sans rien, il spawn jamais tout seul. Hop, j'ai la craque. Tu vois pas mes sentiments. Mais par écrit, c'est compliqué. Bon, par contre, niveau vie, là, ça. J'ai été nul. Il était ridicule. On peut jamais faire de seconderie. Bah si, t'en fais souvent, mais à chaque fois, du coup, t'es obligé de m'expliquer, donc c'est beaucoup moins drôle. Non, j'ai toujours pas fini The Red Strings Club. Faut que je reprenne contact, là. Faut que je reparle d'une date. Ah, ça me TP où, ça? Ça, c'est salle de boss. Ok, parfait, un petit cœur en plus, là. Dégage. Bah dégageons, j'ai dit. De quoi rip? Je prends une balle gratuite. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Que j'ai fait encore là. Ça gratte les yeux. Bon, au moins, The Beast, je vais peut-être pas y arriver là. Ah oui, il faut que j'arrête d'y aller, ça sert à rien. Enfin, si, je peux passer quand même. The Beast, je vais peut-être pas y arriver, mais j'ai la crack key, donc je vais réussir à. Sauf si je meurs avant, ce serait chiant. À débloquer Taint Maggie. Salut, chalut. Mais pourquoi? C'est quoi la balle gratuite que tu t'es prise là? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien fait cette fois. One makes you small. Allez, on devient petit. Ouh, ça c'est bien. Ouais, c'est bien, mais c'est quand même rigolo d'avoir de l'électricité partout. C'est le premier truc qu'on a eu. Tiens, voir la VOD. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais non, parce que j'ai le retour du chat et j'ai pas dit de la merde non plus. Qu'est-ce que j'ai. Je sais pas. Je ne sais pas, du coup. Je pense que même avec la VOD, je vais pas comprendre. Ah, je pense qu'il y avait genre. Ok. Je pense qu'il y a ton pseudo qui est arrivé et j'ai tiré et c'est ça, non? Parce que c'est une balle gratuite. Arrête de crier, papa. Abraham. Je sais pas s'il y a son nom qui est dit dans le jeu à un moment. Si son nom il est inscrit dans le lore. Je crois que la maman dans le jeu s'appelle Sarah. Je m'en souviens plus. Il me semble que c'est ça. N'hésite pas à sortir. Oh putain, j'en ai marre. Merci. Je peux lui donner mes clés, hein. J'en ai plus besoin. Non, j'ai pas dit t'es pas drôle, j'ai dit c'est pas drôle. Ah oui, ok, c'est juste ça. Bah oui, quand ça en deux, c'est pas. Du coup, ce n'était pas contre toi. Juste, oui, effectivement, quand on explique une blague, ça marche moins bien. Et du coup, le fait que je ne puisse pas comprendre tes blagues à cause du fait que ce soit en live, enfin, pas du tout, le fait que ce soit écrit, bah, effectivement, c'est dommage. Tears Down, on en fait chier. Pour du speed-up, quoi. Faut que j'arrête de tenter les pilules. Hein. C'est juste ça. Ça, mais on s'en fout de ça.
Où est-ce qu'elle est l'autre cracky? À moins qu'on puisse en avoir qu'une, parce que moi j'en ai setup 2, mais je sais même pas si c'est possible. Je sais pas si le jeu va juste me dire bah va te faire foutre, écoute. Du coup, je vais pas l'utiliser. Mais je suis clairement le meilleur joueur français. Hein. Il me semble. Et speedrun, non, j'aime trop prendre mon temps et essayer de casser le jeu. Bah, je me doute que pour le pré... Là, par contre, j'avais compris que tu étais du second degré. Que c'était du second degré. Pour le speedrun, si jamais c'était une vraie question. Même si j'étais très bon, non, parce que j'aime trop casser le jeu. J'aime trop essayer de gratter le dernier truc dans l'étage avant de me casser. Ah bah voilà, elle est là, ma deuxième cracked key. Oula, lui il est fort, lui il est chiant. On va tirer en diagonale du coup, parfait. Hop là. Je suis content d'avoir utilisé une crack key. En vrai, c'est vraiment un objet incroyable. On va être tout petit. On est plus petit que nos familiers. On est plus petit que Little Monstro, quoi. C'est vraiment un objet incroyable, la clé. La red key, mais. Parce que dès que tu trouves. C'est une vraie question. Bah du coup non parce que je. Ça me frustrerait de devoir me dépêcher et de louper des potentiellement plein de trucs. Ah, il y en a un qui est mort, j'ai même pas vu comment. Voilà, merci, merci, merci Daddy. C'était une vraie question. Ah, purée. Bon, ça suffit maintenant, merci. Ta-da-ta-ta-da-ta-ta. Pour l'instant, j'ai réussi à faire The Beast que avec Isaac. Donc, si j'arrive à le faire avec un deuxième perso, c'est quand même incroyable. On a quand même le début de l'histoire incroyable Isaac sur cette chaîne. Parce qu'à chaque fois, Isaac, je fais 3 streams et après, je me dis non, c'est trop. Ça me frustre. Wouah! Ça allait beaucoup trop vite, c'est passé trop de choses. Et du coup, je me suis pris dans le cul. On est à quel étage là? Cave 2. Plus que 3 étages. On s'en fout d'avoir de l'argent. Effectivement, elle est folle. Ouh, y'en a qui sont passés par en bas, les petits salauds là. Regardez-moi ces petits salauds là. Tiens, meurs la tête. Et il en reste? À lui. Allez hop. Ouh. Ah, lui il est même pas mort quoi. Quel enfer ce bonhomme. Connais Josplay? Je le connais via Twitter. Je connais de. Je le connais vite fait quoi. Oui voilà, bah c'est ça, oui voilà. Je savais pas s'il faisait des trucs à côté. Et je le connais sur Twitter. Et je ne le suis pas, mais je le connais via des gens qui retweetent. Ah mais. Oh, bah, ah oui, je l'ai laissé là ça. Bah, en vrai, je prends ça. Non, en vrai, l'autre est mieux. Putain, c'est un grand étage quand même là. Voilà, ça me fait. J'ai des araignées partout, c'est bien les araignées. En dégâts, j'ai pas beaucoup, mais. C'est vrai que j'ai quasiment que. Que dalle en dégâts. Oh putain de merde. Merci. Tac, tac, tac. Je parle hein. Anyway. Effectivement, t'es bilingue. Pourquoi j'ai stressé autant? C'était une porte. Ah mais attends, j'aime l'argent. Timony Equal Power là qui tombe. Il y a le chat YouTube avec beaucoup moins d'abonnés. Oui, il est plus connu pour son activité de Twitchos. Je le connais via. Je crois que c'est genre les. Si j'ai vu. Comme, qui RT, bref. Ah pardon.
Genre, bah, y a... il fait pas partie. C'est quoi, c'est la Kakabox là, le truc du groupe des monteurs de Wankil. Oui, bah oui, c'est un des monteurs de Wankil, je crois. Donc oui, il doit être pas trop dégueu en montage du coup, si c'est un monteur pro. Je suis pas sûr, mais c'est que souvent en fait, je le vois tweeter par le groupe Wankil Studio. C'est pas un des monteurs, parce que souvent je le vois tweeter par les gens. Le groupe là de des monteurs des potes qui jouent avec ça me dit un truc. Bah Wankil tu connais quand même, là c'était encore du second degré, c'est ça? Déjà je pense clairement que oui maintenant ah oui non, ah je sais pas, j'ai cru que c'était du second degré parce que genre je l'ai juste prononcé vite fait et t'as écrit la bonne écriture alors que Wankil allez c'est parti, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête. Oh, plus petit encore. Je suis tout petit. C'est ridicule. Si, si, je connais ça. Oui, c'est ça. Oh putain, lui, non, lui, il est trop chiant. Lui, il est chiant, lui, il est chiant. On le tue, on le tue, on le tue. Allez, on le tue. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le, tuez-le. Merci. Parce que lui, il est chiant. Hein. Oh putain, mais ça suffit d'avoir que des ennemis chiants, là. Attends, c'est normal, c'est les derniers étages, mais bon. Allez, Daddy. Va l'éclater. Il voit pas. Pitié, me renie pas. Non, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Il est trop occupé avec son ordi. On dirait vraiment. Mère qui râle. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai loupé là? J'ai répondu à tout. C'est le groupe de gens monteurs de. Qui est... Il me semble que c'est le groupe de mon... de personnes qui est monteur de Wankil que je vois souvent retweeter. Retweeter les trucs de Josplay. Du coup, je sais pas s'il en fait partie. Mais en tout cas, oui, il est. Je vois ces trucs de temps en temps. Bah voilà, j'ai tout vu. Tout lui, mais voilà. Ça aussi, oui, ça aussi. Ah non, si, si, bah si, je viens de le lire. Juste qu'il y a du retard. Ah non, d'accord, là tu répondais à autre chose. Paf, 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 paf. Oui, j'aime la vie. Tac. Un petit cœur. Arrêtez d'être con par contre. Hein. Ok, rond barré. Ah, moi, c'est pas un rond barré. Hein. C'est un tréma. Allez, on lui donne. Hein. J'en ai pas besoin des clés. Ah, il m'en faut une, je crois, quand même, pour le dernier étage. Ah, bon, bah, salut. Ouh. Pourquoi pas, alors? Ouais, mais non, si le seul qui tire des larmes. Ah monstro si ça le fait tirer beaucoup plus vite, mais non ça c'est mieux. Du coup ok, donc ça c'est un truc que j'ai débloqué hors stream la dernière fois. Là c'est juste un gros carré raté. Là encore la craquille, je suis à quel basement 2. C'était par là le départ. Il était où le départ? Il était tout à gauche? Non il était à droite. Il était là. Putain quel enfer. Ah sur le stream ça rend pas grand chose hein. Ça ressemble mieux sur le. Attendez. Non, bah tant pis. Allez voir la rediff hein, si vous voulez voir ce qu'il a envoyé en vrai. On dégage. Je regarde ce que tu mets parce que ça fait des gros pavés d'un coup. Mais en même temps, faut que je suive un peu le jeu quand même. Ça me ferait chier de mourir maintenant. Du coup, j'ai pas vu comment c'est apparu sur l'écran, mais à mon avis, ça devait être raté. Oh bah oui, avec plaisir. Je m'en fous en fait. Allez, hein. C'est bien parce que j'ai plus besoin d'argent. Si jamais je drop de l'argent, au moins ça deviendra quelque chose d'autre. Pourquoi j'ai foncé sur ça, je suis trop con. Je sais que je suis trop fort, mais qu'est-ce que je vais faire encore? Vas-y, vas-y. Vas-y, Bombo. Crunch, crunch, crunch. Et va me lâcher plein de trucs là. Crunch, crunch. Heureusement que ça c'est The Hierophant. Hein. The Lovers. Non, on s'en fout. The Sun. Bah allez, on l'utilise. Hein.
Bumbo, t'es pas très cool, hein. Ah oui, il tire qu'une. Il roule. Il fonce qu'une fois, lui. Donc en fait, ça va être très simple. Oh putain. Je l'ai ramassé avant lui, je crois. Fait chier. Quel enfer. Et t'es fier de toi en plus. Oh putain, mais pas ce connard. Je vais casser ça parce que je sens que c'est un coup en évitant ses larmes à ce que je me fasse avoir. Voilà. Et il reste plus que cette petite merde là. Plus ça n'a marché qu'à moitié aussi sur mon rendu Streamlabs. Putain, quel enfer. Voilà. Hop. Ah putain. C'est trop con de se prendre des dégâts débiles comme ça. Bon, au moins je vais débloquer la magie quoi. La magie. Je vais débloquer Tainted Magie. C'est ce qui compte. Non ? Grid, Super Grid, no longer appear in shop et more coin. Je regardais pas, mais ça a dû être dégueulasse. Hein, sur le... Ah non, elle t'a envie de jouer à Minecraft, il est trop bien ce jeu. Bon, on a fini, allez. Hein. C'est parti. C'est parti, on n'a pas de vie. Hein. Contre combien de points de chaîne? Faut que je joue avec Guillaume, hein. C'est pas que moi le serveur. Ouais, ça, y a besoin d'une clé ici. Oh oui. Ah oh, merci. Merde, faut lui laisser. Guigui. The Dauntless. C'est quoi là? Yes, on est content. Hein. C'est un très bon objet, mais bon. L'avoir en dernier objet avant un boss. Merci, mais c'est pas fini. Hein. Là, c'est très gentil. Mais là, c'est la version simple, en fait. Mais double touche sur ça quoi, alors que je l'avais fini. J'en vois une merde. Si on commence par ça, ça me va. Hein. Hop là. C'est bon, quand il a peur, il fait pas d'attaque en fait. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Angel of God. Il est où? Il est là-bas. Merci Daddy Longleg. Vas-y. Imagine ces messages fois 500. Bah achète-moi des abos, ça me va. Hein. C'est quoi? Alors attendez. Ça n'a pas marché. C'est bon, ça marche. Incroyable. Non, je connais pas Facebook. Explique-moi ce que c'est, s'il te plaît. Tu es trop jeune, ma frère.
crois qu'il y a une commande point d'exclamation boomer sur mon chat. Ok, on remet la tête, c'est parti. Il doit avoir une commande point d'exclamation boomer. Ah non, il marche plus, je l'ai enlevé. Parce qu'avant, en fait, Guillaume, avec qui je joue souvent, il disait tout le temps, putain, je suis vraiment trop con, je suis vraiment trop con. Il disait tout le temps, ok, boomer. Et du coup, j'ai fait une commande qui disait, Guillaume, ta gueule. Dès qu'on disait boomer. Oups, il y a petite mouche de merde là. Allez, salut mon pote. RIP Geeky. Allez, les araignées. Putain, les araignées elles tombent en bas. Il y a Daddy Longleg qui tombe, je viens de le voir. Incroyable. Putain, merde. Ah là 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 là. Très mal joué. Ok, ça c'est fait. C'est fait. Très bien. On passe au troisième. Alors, je ne lis pas tout à fait, hein. On va pas se mentir. Il y a des araignées partout en bas. Putain de merde. Il y avait une petite flamme, j'avais peur de me la prendre. Tu mets les points de chaîne, un minimum faut. Mais non, mais ce. Ok, boomer, je vais pas le remettre. Et lis les messages quand tu as fini de te battre. Oui. C'est bon, on reprend. On reprend. Allez, des nouvelles araignées. Hop là, je suis tout petit. Ça, c'est bien. Ok, je suis petit, mais quand même nul, hein. Effectivement, ça n'aide pas. Oh putain, ça je sais que c'est chiant celui-là, voilà. Je vois presque pas mon perso en fait, donc c'est pas hyper pratique d'être si petit. Ok. Ah non, il est pas mort. C'est bon, il est mort. Je suis là. Bon bah c'est parti, hein. Oh! Oh la Psyfly qui éteint les flammes! Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est un. Je renais, c'est pas grave. Mais Mais ça suffit, bordel, de. Par contre, de pas savoir jouer. Merci. Quel enfer. J'avais. Je l'ai fait que une fois, donc je ne sais plus les patterns. Ok, je viens de me reprendre un dégât. Où est-ce que je. C'est quoi ça? Depuis quand il y a ça? C'est quoi ce truc? Où est-ce qu'il apparaît? Quoi, il y a War qui revient? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette face que j'ai jamais vue? Il est là. Il avance? Ok, c'est bon. Putain. Il réapparaît là, je me casse. Il repart direct, ok. Et du coup, ouais, la première fois que je l'avais fait, j'avais aussi Guppies, enfin Dead Cat. Et du coup, je savais qu'on ne mour quand on mourait avec Dead Cat ici, ben on réapparaissait ici au même niveau. Putain, je suis vraiment trop con de perdre une vie sur ça.
Et c'est pour ça que j'étais très content d'avoir Dead Cat, parce que je savais que c'était sur The Beast, c'était très fort. Mais bordel de merde, je suis vraiment une grosse merde. Je suis une grosse merde, il me reste plus que 3 vies. Il est presque mort. Il est presque mort, mais moi aussi. 3 touches, hein. 3 touches. Incroyable. Je lis les messages, ne t'inquiète pas. Il y a des jeux bêtes. Merci beaucoup. Merci, mais il y a des gens. Enfin, non, quand t'as pas beaucoup de joueurs, tu lis les messages, quoi, quand même. Moi, quand j'ai une personne qui vient parler, je suis très content. Donc, c'est pour ça que j'essaye de tout lire. Des fois, je loupe parce que je suis bête, mais c'est pas pour ignorer. Saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body. Je reprends un screen au moment de Guppy. His worry pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion. Oh non! Bon, j'ai déjà pris le screen. J'étais en train de prendre un screen. Ah mais non, mais c'était bon en fait. Non, pardon. Parce que oui, sur le live, il y avait, mais... Trevor, les mecs t'insultent. Genre, putain, je joue, ne me déconcentre pas. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy. Je sais pas si on a pu lire ton message vu que c'était en blanc, du coup. He saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small house. Moi ça, j'ai pas besoin de te ban, parce que tu te fais ban tout seul en postant des liens. Les seules commandes que je fais, c'est les unban. Quel jeu incroyable, là. Je me suis fait ban 2 fois en un stream. C'est-à-dire que la deuxième fois, si je t'avais pas unban, c'était pendant peut-être trentaine de minutes, un truc comme ça. You see Candy Heart. Un nouveau type de cœur, très bien. Et du coup, j'ai tout fait avec Isaac et Maggie. C'est tout. C'est pas très bon, hein. Et j'ai 3 Tainted Characters. J'ai jamais commencé les Tainted. C'est parti, hein. Faudra faire ça un moment. Quoi? Je t'ai pas ban. Je t'ai ban un moment pour ça, ou c'est une fois tu t'es fait ban autre part pour avoir dit ça? Là, je vois même pas AOT, je sais même plus ce que c'est. Je vois même pas en fait. Ah ok, oui non, c'est l'attaque des titans. Et du coup moi je... Oui c'est ça, voilà. Parce que moi je, tu me dis ça, je te dis d'accord. Bah si tu, je te crois, écoute, je l'ai jamais regardé. On va s'arrêter là, des bisous YouTube. Bravo, une victoire. C'est rare. J'espère que tu es content d'avoir vu ça. Des bisous.